Je vais commencer à voter, c'est dimanche matin, il est déjà 9h. Il y a des gens qui ont déjà commencé à voter. Mais il n'y a pas trop d'affluence, peut-être comme c'est le matin, les gens sont partis à l'église. Mais je m'avais voté. Suivez-moi, je m'avais voté comme ça. Ok, vraiment. Merci beaucoup. Non, merci. Ivoire.tv.net, oui, de fait. Voilà, je viens de voter, j'ai terminé, mais vous avez suivi que j'ai voté. Bon, pour le moment, il n'y a pas encore d'affluence. Hein. Peut-être comme c'est dimanche, les gens sont partis à l'église, on attend. Mais ce qui est sûr, c'est serré. C'est serré. Moi, j'ai voté à Yopougon, je suis tranquille. Voilà, je suis tranquille. Ah oui, parce que, en tant que citoyen, il faudrait que tu participes un peu au choix des gens qui doivent diriger ta copine. Pas celui que ça lui met là. C'est avec lui on va dormir, c'est avec lui on va manger. Donc, il faut le connaître très bien. Qui c'est? Bon, ce matin, je vous ai dit, j'ai été voté. Vous avez vu, j'ai voté. Il n'y a pas eu influence. Donc j'ai attendu jusqu'à 17h. Alors je vous parle, il est 17h. Il n'y a pas encore d'influence dans les bureaux de vote. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas envie d'aller voter. Ma goût de fer, je ne sais rien. Mais il n'y avait pas 15 minutes de cela, on a reçu un message de Soro Guillaume. Il a envoyé un message à tous les Ivoiriens pour dire allez-y voter, allez-y voter. Sans doute lui aussi l'a constaté que les gens ne votent pas. Alors c'est dû à quoi? Les gens ne savent pas. Donc, c'est pas pourquoi les gens ne vont pas voter. Mais quand je fais des analyses, je constate que, vous savez, en Côte d'Ivoire, nous avons deux grands partis. Nous avons deux partis qui aiment beaucoup, qui aiment beaucoup le Mativu, qui aiment se faire, voilà. Il y a le FPI et le RDR. Ces deux grands partis qui, quand ils sont décidés, toute la Côte d'Ivoire est malade. Et j'ai l'impression, comme le FPI boycott les élections, le RDR aussi estime que, bon, il n'y a plus danger. Donc peut-être c'est ce qui explique cela. Parce que il y a eu députation. Le FPI a boycotté. Il n'y a pas eu d'influence. Aujourd'hui, il y a mairie. Le FPI boycotte, il n'y a pas d'influence. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Ou bien c'est parce que c'est un parti qui régorge beaucoup de monde, qui fait que quand ils disent non, on le sent. Ou alors c'est pas. Et puis le RDR ne réagit pas. Ou bien le RDR, qui est aussi un parti populiste, qui aime sortir pour se faire remarquer. Quand ils estiment que il n'y a pas de FPI. Alors eux aussi, ils s'assiedent dans leur coin, mais il y a problème, il n'y a pas d'affluence. Tu vas à Béomi, il n'y a pas d'affluence. À Béomi, il y a un bureau de vote où le président du bureau de vote et ses assesseurs ne sont pas vite arrivés. Parce que il y a eu des coupures de route. Les coupures de route ont empêché d'arriver vite. Donc il y a problème. Au niveau de Lokwa village, Lokwa c'est un quartier de Yopougon, il y a eu problème. Parce que le président du bureau de vote, sans me demander de la CEI, a demandé de signer les PV
depuis midi. Comme ça, le soir, ils vont les remplir parce qu'il fait nuit. La nuit à 19h, on ne peut pas remplir parce que c'est un coin, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'ampoule, c'est avec lampe. C'est ce qu'il a pris comme argument. Donc, il y a eu opposition. Le représentant de M. Doukoure Moustapha s'est plaint. Donc, le problème est là, ils sont en train de résoudre ça, mais ça va se résoudre tranquillement. Au niveau de, comment dirais-je, de la GESCO, à la rentrée de Yopougon, il y a eu 4 personnes qui ont été arrêtés par la police, qui tentaient de faire des fraudes. On ne sait pas. Si c'est des gens du PDCI ou du RDR, Magou de Fer, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à Sikensi, il y a un individu qui a été arrêté avec 2 bulletins de vote. On l'a arrêté par la police, il est au maître de la police. Ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas si c'est un gars du PDCI ou bien du RDR, on ne sait pas toujours. Donc on est dans un système comme ça, on ne sait pas qui fraude, qui veut frauder. On est dans un système comme ça. C'est que sur l'élection d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Les gens ne viennent pas voter. J'ai pensé que les gens étaient partis à l'église et qu'ils allaient attendre l'après-midi pour voter. Mais il est 17h, ils ne viennent pas encore. À bon entendeur, à tout à l'heure, même s'il y a eu 10 votants, bon, ils vont faire les points avec ça. Mais je ne sais pas, il y a quel problème. Les gens ne veulent pas voter. Je suis découragé, je suis désolé. Mais j'ai voté, moi j'ai déjà voté, vous savez, j'ai déjà voté. Donc je vais m'asseoir encore et je circule à tout à l'heure à 19h à Magui, à Yoatia.